En 2021, Laure avait marqué les téléspectateurs lors de sa participation à Marié au premier regard. Jeudi 6 juillet, la femme de Mathieu est revenue sur les difficultés qu'elle a rencontrées après l'émission lors d'une session de questions-réponses organisée sur Instagram. Une belle histoire d'amour qui dure depuis 2 ans. En 2021, Laure et Mathieu se sont mariés devant des millions de téléspectateurs dans l'émission Marié au premier regard, diffusée sur M6. Depuis leur union télévisée, le couple continue de couler des jours heureux. Ils sont notamment les seuls participants de la 5e saison à être toujours ensemble. En août 2021, Laure et Mathieu ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Lia. Son arrivée a quand même été un grand chamboulement. On a essayé d'être des parents tout en gardant en tête l'idée de notre couple. Tout a été vraiment très vite, avait expliqué Mathieu sur son compte Instagram. On trouve à peine nos places en tant que couple, jeunes parents. On a de beaux projets en perspective et pour le moment on est bien à trois, avait de son côté confié Laure il y a quelques semaines. Je regrette le manque de suivi jeudi 6 juillet, sur Instagram, Laure est revenue sur les difficultés qu'elle a rencontrées après l'émission lors d'une session questions-réponses avec ses abonnés. Je regrette le manque de suivi. Cette expérience est un réel changement, qui est trop souvent pris à la légère. Il s'agit de vrais mariages avec, normalement, de vrais engagements. Au-delà de ça, tu as tout l'aspect psychologique à prendre en compte, a-t-elle expliqué, avant de revenir sur les difficultés liées à la médiatisation de son couple. Je ne m'attendais pas à un tel impact médiatique et, au départ, c'est quand même très compliqué à gérer. Je pense que beaucoup de couples éclatent à cause de ça. Je pourrais en parler des heures tellement il y a à dire, a ajouté la jeune maman. Malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer, Laure semble désormais plus épanouie que jamais au bras de Mathieu.